Avant de regarder l'autre procédure judiciaire qui est entamée à l'international, toujours dans le dossier qui opposait le président de la fédération, Yves Jabin, à la Fédération internationale de football association. Nous connaissons tout la justice haïtienne, était saisie de dossier, a une décision qui était prise et dans le cabinet d'instruction et dans la juridiction et quoi des bouquets, par qui était fait appel, la cour d'appel, l'y commencé des dossiers de date 26 juin 2023. Qui côté nous y est avec la cour d'appel là? Bon, disons que hier, nous avons une deuxième audience à la cour d'appel. Et bon, d'abord, bien qu'on fait rappel là, mais moi-même, je vais essayer de refaire mon rappel tout pour que je me bien situé le dossier. N'importe que nous bien son dossier qui commençait à partir d'une publication de Guardian le 30 avril 2020. Et dès le 1er mai, il y a Romain Molina qui mettait en ligne toute une série de vidéos. Et n'a pas changé tout, dès le 1er mai, en Haïti, t'es un tollé que le dossier a été fait. N'a pas les deux 1er mai 2000 et 1er mai 2020. Et le 6 mai, il y a un ensemble d'organisations féminines et collectifs avocats, ils ont été à déposer une plainte dans le parquet quoi des bouquets contre le docteur Yves Jambard. Et à l'époque, il n'y a pas qu'une victime qui a été identifiée dans plein de choses. Juge d'instruction, qui s'est mis à Simé, qui a conduit l'instruction, littéralement une ordonnance dans le mois de juillet pour demander à ensemble d'organisations, notamment l'équipe des avocats stratégiques, CADEJ, qui demandait SOFA, CAIFAM, CRIFA et RNDDH, qui demandait FIFA, des Guardian, Human Rights Watch, qui demandait collaboration pour qu'ils aident à identifier les victimes. Maintenant, personne va présenter devant le juge là, personne va juger en quelle collaboration, que finalement, le juge là, le 16 novembre, il rend une ordonnance, quand il déclare que, pas une possibilité pour ta poursuivre docteur Jambon, parce que pas une victime qui identifie. Et n'a pas peine à l'époque, ordonnant le juge a été soulevé un tollé. En pile monde dans la société, en pile secteur, qui présente des juges là, t'es un personnage qui est corrompu, t'es un son monde qui rend un jugement en faveur Yves Jambon, peut être capable de disculper, bon, en pile pas là, en pile. Et dans la même période là, tout, sous la pression d'une pile institution et sous la pression de certaines ambassades, le parquet de la Croix des Bouquets était fait appel. Et faut comprendre ça bien, parce que pour savoir qu'il était fait appel, parce que par le parquet de la Croix des Bouquets, en vente du juge en ordonnance définitive, dans le réquisitoire définitif que vous avez pris, vous avez conclu que pas une possibilité pour poursuivre, parce que pas une victime. Maintenant, même parquet qui demande pour ne pas poursuivre là, ou après c'est même parquet ça encore, près de 6 ou 7 jours après qu'il fait appel. Maintenant, vous comprenez que dans un moment, vous avez pile pression. T'as grand pile pression d'une ambassade étrangère, t'as grand pile pression d'une institution internationale. Quelles sont ces ambassades? T'as pile pression tout. Bon, les plus influents de la place, m'a besoin, parce que moi, je ne pas citer nos mondes, je ne pas citer nos de les institutions. Maintenant, les ambassades les plus influentes de la place, des organisations internationales, parmi les plus influentes, en pile organisation qui est influente, je te mettais en pile pression, ce qui te fait que le parquet de la Croix des Bouquets t'a fait appel de ordonnance. Là, noté au mois de novembre 2020, pour diverses raisons, soit pour des raisons de dysfonctionnement tribunal, soit pour des raisons de crise politique, pour des raisons tout qui étaient liées à maladie docteur Jambon, la cour d'appel, pas bien réussi à évacuer appel là. Mais cour d'appel décidé qu'on y a là pour qu'on évacue l'appel là. Et nous avons une première audience. Première audience a commencé le 26 juin. Et au cours de première audience là, cour d'appel qui a trouvé que lui un peu bizarre pour que mon dossier abus sexuel, crime sexuel, il voit que par une victime là-dedans. Et ça, quelques cours d'appel, il était demandé pour l'étendre dénonciateur. Et hier, il a fait une audience à la cour d'appel, il était dans des CADEJ, il était dans des CRIFA, il était dans des CAIFAM, il était dans des SOFA, il était dans des RNDDH. Et pour que le cours d'appel capable de conclure l'instruction à faire là, le cours d'appel, il est décidé, il faut que l'étendre tout, le docteur Yves Jambon, et attendre le docteur Yves Jambon le 23 octobre. Maintenant, c'est dans le niveau ça que nous y est, au niveau local. Ok. Maintenant, où dit, t'es pression qui t'est faite sous parquet de la Croix des Bouquets, puis t'es interrogé, t'es appel. Et dans la même logique, ça, ou pas penser que y a une pression qui a continué à faire, et notamment ce cours d'appel là, pour les rendre nos décisions en défaveur de M. Jambon. Non, mais voici la chose. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, ou pas qu'à inventer, il y a des choses qu'on ne peut pas inventer. Et
de 2020 à date, il y a un pile de l'eau qui coule sous pont. Entre-temps, la justice internationale est rentrée en action, où est que le TAS a conduit une instruction qui était fabuleuse, il rend une sentence de 66 pages, et dans cette sentence-là, il a passé en revue toute affaire-là, quel que soit le monde qui a appelé lui, ou bien le que. Ou bien que c'est des bagages qui pachita, c'est des bagages qui incohérents, qui pachita sont rien. La FIFA a fait appel de sentence TAS-là devant le tribunal fédéral suisse. Le tribunal fédéral suisse-là, il rejette l'appel de la FIFA. Le tribunal judiciaire de Paris dit qu'on a Romain Molina pour diffamation. Mais pas rien, on va aller plus loin. Parce que même coup d'appel de Port-au-Prince, la coup d'appel de Port-au-Prince, il y a un mandat qui est limité. Qui mène la coup d'appel de Port-au-Prince? C'est seulement regarder l'instruction qui est faite quoi des bouquets. L'un était quoi des bouquets? Pas de victime. Pas de victime du tout. Donc, la cour d'appel de Port-au-Prince, il n'y a pas d'autre choix pour que les confirmer l'ordonnance de la croix des bouquets. Parce que en cette matière, on ne peut pas inventer. Est-ce que pas de victime ou bien victime ou pas manifesté? Non, il y a une chose. Parce que, ou même en Haïti, moi en Haïti. Ne pas jamais entendre histoire ça en aucun côté. Ne pas jamais entendre en aucun côté. Et nous connaissons qu'en Haïti, haïtien parle en pile dans la radio. Maintenant, de nos jours, radio, regarde consacré radio, c'est lui-même qui vient tourner miroir société. Il n'y a pas rien qui a passé que radio pas dit. Pas absolument rien radio pas dit. Même quand il concerne les chefs de gang les plus puissants, ou même nous venons sous la place, il y a dénoncé dans la radio. Maintenant, si tu as une victime, pour qui ça 3 ans après, jusqu'à présent, pas une victime qui manifeste. Parce que pas oublier que l'affaire a été éclatée. Romain Molina, il était déclaré que il y a plus que une centaine de victimes qui étaient contactées, maman, papa, frère, soeur, cousin, cousine. Il était pas avec près d'une centaine de victimes qui étaient contactées. Maintenant, tout le monde a contacté Romain Molina. Au moins, on a vu nos amis, un frère, une soeur qui étaient fuité des bagages en Haïti. Et puis, ça qui vient conforter nous que par une victime, pas oublier que Romain Molina te poursuivre en France. Et les Romain Molina te poursuivre en France, justement, je demande à Romain Molina enquête côté mené, mais présenter enquête là. Parce que tu mené une enquête. Présenter enquête là. Romain Molina était dans l'incapacité de présenter une enquête. Donc, c'est pour me dire que par une victime. Ok. Parce que là, on ne peut pas inventer. On va aller dans l'autre. Naturellement, on ne peut pas connaître. Parce qu'on est méchant, on a toujours essayé de venir avec des faux victimes, etc. Mais c'est non procédé. Là, on procède, nous avons un processus contradictoire. Et puis, nous allons affronter les victimes. Tout le monde vient avec un prétendu victime, il n'a pas affronté lui. Moi, nous allons affronter victime. Parce que les bagages comme ça qui étaient faites. Parce que les autres étaient dans la tasse. Ils ont essayé de faire une série de bagages comme ça tout. Mais moi, on connaît d'ailleurs comment ça pose une question, à vérifier une série de faits. Je vois que ce soit dit pas chita. Il n'y a pas concordant. Et ça que tasse tête du consacré. Témoins et victimes qui présentaient pour la FIFA, ils ont fait des déclarations qui étaient imprécises, incohérentes et contradictoires. Donc, je t'ai essayé déjà, je t'ai toujours essayé. Mais maintenant, tu as deux pieds fermes. Ok. Maintenant, on va aller dans l'autre procédure. Après que TAS a rendu une décision la date 14 février en faveur de M. Jambon, et la FIFA a fait appel, gagné et premier cours de droit civil dans le tribunal fédéral et dans le pays de la Suisse qui rendu l'autre qui confirmé décision ça en appel la date 28 juin qui s'est passé en faveur de M. Jabbar. Maintenant, nous retournons devant le tribunal arbitral du sport pour M. Jabbar retourner dans cette fédération. Et pourquoi? Bon, parce que il y a une compréhension et au niveau local et au niveau international, je l'explique aussi. Qui ça qui est compréhension? Pas oublier que la FIFA lui retire Dr. Jambon à la tête de la Fédération haïtienne de football, c'est parce que il était rendu une décision le 18 novembre et dans la décision ça, il était suspendu Dr. Jambon à vie. Dr. Jambon a été retiré de la tête de la Fédération à la suite de la décision de la Fédération internationale de football. Très bien. Mais dès lors que c'est FIFA lui-même qui fait exigence à toute entité sportive, à tout dirigeant, à tout joueur, club et autres, depuis que sont différents en matière de sport, c'est le TAS qui est compétent en dernier recours. Mais si le TAS lui a annulé décision côté prend, et c'est en vertu de décision ça que le Dr. Jambon a été débarqué. Donc, juridiquement, pas grand possibilité pour que le patron n'ait n'importe qui. Donc, pour nous, ça a suscité une compréhension
au niveau local, ça suscitait tout une incompréhension au niveau international. Et incompréhension, ça tout, les mettait en jeu crédibilité institution tout. Parce que la FIFA en tant qu'institution, c'est vous-même qui dit que faut que le club aller en arbitrage. Mais si on peut aller en arbitrage, on ne peut pas exécuter une décision que le tribunal arbitral l'a donne. Même pour le TASTO, je pense que le TASTO est une situation inconfortable. Parce que vous êtes face à une situation que la décision que TAS prend n'est pas exécutée. La décision du TAS n'a pas été exécutée. Donc, nous pratiquement face à une situation de déni de justice, et c'est ça quelques cougnats là, nous faisons recours auprès de TAS. Même capable de conserver une procédure là, et depuis près de 2 ou 3 mois, et partie en face, elle a fait toute salle capable en termes de dilatoire pour que la procédure pas avancer. Mais heureusement que maintenant, ça va plus vite. La procédure va plus vite que nous-mêmes, nous espérons que entre le mois de septembre et le mois d'octobre, nous avons une sentence du TAS. Nous avons une sentence du TAS, il va trancher la question. Ça. Maintenant, mandat et président Jabba, t'as dû finir en février 2024. C'est ton mandat de 4 ans. C'est bien ça. Gardez-moi qui t'a dit pourquoi oui. Cet entêtement a retourné à la tête de la fédération si nous reportons toutes les procédures judiciaires. Mais pour qui ça, c'est une fixation même sur la fédération? Pourquoi ça nous retourne à la fédération? Bon, ce qu'il faut comprendre, c'est pas un entêtement. Parce que pas oublier que le docteur Jean-Bord, c'est pas nommé ou t'es nommé, il a été élu. Il était à l'élection, il a été élu, lui. Et, en même temps que docteur Jean-Bord, ils font recours pour retourner à la tête de la fédération, mais les clubs aussi qu'il avait élu, clubs eux-mêmes, tous, ils font recours, ils ont demandé pour le retour du docteur Jean-Bord. Donc, étant donné que le docteur Jean-Bord a été élu, mais c'est d'abord une question de droit. Avant même que nous ayons toute considération personnelle et autre, c'est une question de droit. C'est que, il doit te mettre le dehors, parce qu'il doit être sanctionné. Il y a un tribunal suprême, c'est-à-dire, et le TAS, et tribunal fédéral suisse, qui dit que décision de bon rouler n'est pas bon. Maintenant, il faut que le droit applique. Et l'application du droit veut dire qui ça? Il veut dire qu'il faut le continuer le mandat. Non, mais le mandat a fini en février 2024. On t'a dit que TAS t'a dit. Tande et recours là en octobre, il va arrêter un peu le temps, même s'il t'a rendu décision. Mais peu importe, même s'il t'a arrêté un jour dans le mandat, mais il y a un droit pour le finir mandat. Parce que ça, pour considérer, c'est que ça l'a demandé à son bagage de droit. C'est dans l'élection, il t'est allé, il t'est mené en campagne, il t'est élu, donc il y a un mandat, il y a le droit pour terminer mandat. Il a décidé de démissionner lui-même. La démission, c'est une question personnelle liée. Mais il se trouve que pour l'instant, il n'a pas décidé de démissionner. Il entend assumer mandat. Donc, si il entend assumer mandat, je ne crois pas que de ce point de vue, il est capable de faire le grief pour ça. Parce que c'est un droit qu'il a. Et d'autant que dans la position que lié, les gens qui étaient élus, l'entité qui était élu, ils ont toujours investi confiance dans lui-même. Et c'est l'entité ça autour qui fait recours devant ça. Parce que faut pas oublier que. Lorsque TAS, le 14 février, était fait une prise de décision que la nuit les sentences FIFA, pratiquement, il y a près de 60, entre 70 à 80 clubs qui étaient écrit la fédération, qui étaient écrit la FIFA, qui étaient dit FIFA comme ça, je salue la décision TAS là, et puis on demande FIFA pour que le président retourne dans la procédure. Et ça, on demande FIFA. Bon, maintenant, comme la FIFA, pour des raisons jusqu'à présent, qui paraît non surprenante, n'est pas avec le docteur Jean-Bart retourner, parce que pour nous, ça paraît incompréhensible. Parce que si on a parlé de ordre démocratique et état de droit, ça paraît incompréhensible que Dr. Jean Bocque n'a pas si je dis. Donc c'est tout à fait normal que recours là exercé. Là, on parlait de FIFA qui pas voulu et M. Jean-Bart retourner dans cette fédération. Tout à l'heure, on a parlé tout de l'ambassade qui a fait pression sur le parquet, quoi des bouquets pour le faire et pression pour le parquet a fait appel à la décision cabinet de destruction. Et si vous comprenez de complot qui te visé M. Jean-Bart. Et nous-mêmes, ça nous pensait. Parce que ce qu'il faut comprendre, nous, pour le présent moment, nous n'avons pas tout élément d'appréciation. Nous n'avons pas encore tous les éléments d'appréciation. Mais il y a une série de comportements, il y a une série d'attitudes qui étaient affichées dans le dossier ça, qui fait nous croire que les participants d'un complot à la fois national et international. Bon, est-ce que le dossier a fait commencer en Haïti? T'es des organisations internationales, parmi les plus puissantes, qui t'a mis des pressions sur le parquet de la Croix des Bouquets, qui t'a mis des pressions des docteurs Jean-Bartel, n'importe qui a pu t'arriver. Donc, il y avait tout ça aussi. Le cabinet d'instruction qui finit une ordonnance, qui blanchit docteur Jean-Bartel, eh bien, pression a été mise pire toujours. Donc, ça m'a dit là, c'est des bagailles qui existent, parce que là,
parce que là nous gagnons des témoignages en ce sens. M'pas un document capable de présenter pour me dire comme ça que mais telle heure à telle date, telle organisation, telle ambassade t'a fait ceci de fait cela. Mais suivant des informations que nous détenus de sources crédibles, nous connaissons que ça a eu lieu. Ou dit et monsieur Jaba et dans audience qui dans la cour d'appel là t'a dû répondre avec la cour d'appel dans date 26 octobre 2023 qui va venir là monsieur Jaba 23 lundi 23 octobre 2023 là bla en personne ou c'est à distance bon et on connaît que en Haïti pour l'instant il y a des bagages qui peuvent des technologies qui peuvent intégrer dans procédure nous. Bon, bien que le docteur Jean-Baptiste, il est malade, il est souffrant, et même penser que nous allons travailler avec médecin traitant lui pour que nous capable créer les conditions pour que nous capable présent. On ne peut pas oublier que l'intégré audience à Lausanne au TAS, donc nous devons prendre des dispositions. C'est vrai que la Suisse offre beaucoup plus de facilités que Haïti, mais nous allons travailler et avec la cour d'appel et avec les médecins traitants du docteur Jean-Baptiste pour que nous créer les conditions propices pour que nous capable présent parce que ça fait me poser question et de manière directe il y a monde qui pense que le président ou bien il est en cavale ou bien il est en exil mais il n'a pas loin mais l'autre il n'a jamais été ni en cavale ni en exil ni l'autre il va jamais se menacer dans le pays non mais docteur Jean-Baptiste a toujours été menacé parce que pas oublié soit pour historique docteur Jean-Baptiste et à certains moments, et au cours de, pas qu'à songer qui année, mais qu'on période, docteur Jean-Baptiste fait près de 7 mois, il fait près de 7 mois en exil. Que c'est son intervention, président FIFA, Joseph Blatter, qui fait que l'État haïtien, et ben, docteur Jean-Baptiste protection. Parce que docteur Jean-Baptiste, c'est quelqu'un qui a toujours été menacé. Oui, mais dans le cas ça. Que docteur Jean-Baptiste, il était victime déjà de tentatives d'assassinat, que l'heure, ça, c'est chauffeur qui a été tué. Et jusqu'à présent, pourquoi j'aime rejoindre encore chauffeur encore. M'en parle d'une série de faits qui remontaient bien longtemps. Avant ce canal, ça a été éclaté. Pas oublier tout que Dr. Jean-Baptiste, il a été en de dépôt. Donc, c'est quelqu'un toute sa vie qui a toujours été menacé. Oui, Dr. Jean-Baptiste a toujours été menacé sous lui. Mais pour le présent moment, le Dr. Jean-Baptiste, il est ni en exil, ni en cavale. OK. Sauf que, il est malade, la souffre. Hein, parce que côté Dr. Jean-Baptiste, il a un statut régulier. Il a un statut régulier. C'est pas un asile, c'est pas un régulier. Et les pas un asile, les pas un réfugié, c'est pas un immigrant dans le sens où monde illégal. Côté lié à le bon statut régulier pour le côté lié à. OK. Maintenant, Gauditeur qui dit, est-ce que après février 2024, président Jabal libre le candidat pour l'autre élection dans la fédération? Ah, pour ça, je ne sais pas. Okay. Ça, je ne sais pas. C'est pas un sujet que m'qu'on aborde avec lui, m'baronne. OK. Maintenant, on l'autre procédure tout que nous comptons mener aux États-Unis contre FIFA et contre des organisations. Bon, nous aussi détails sur les rapidement, on va nous mettre fin avec notre vue. Bon, disons que nous en proposons maintenant avec cabinet d'avocats aux États-Unis, n'a travaillé les dossiers, n'a travaillé sur le preuve, sur le dossier de bagarre, n'a profiné la stratégie, et nous pensons que très bientôt, on doit que c'est au cours de l'été, on doit aussi en fin d'année, mais bien, c'est début année prochaine, en fonction de stratégie que nous avons mis en place, que nous allons commencer à attaquer aux États-Unis certaines organisations. Sont représailles? Je suis capable de confirmer pour information ça. Sont représailles? Allô? Représailles? Non, c'est pas représailles, sauf que le docteur Jean Barra des droits, il estime que doit être violé, et comme doit être violé, en fait, il va l'exercer une liberté publique fondamentale, libre à l'agir en justice. Ça, c'est l'exercice d'une liberté publique fondamentale. On ne va pas prendre le sens de pugilat, on ne va pas prendre le sens de guerre, mais on va prendre le sens d'un exercice d'une liberté publique fondamentale. Parce que dans toute société démocratique, dans tout état de droit, il y a une divergence, il y a une différence entre le monde. Ce n'est pas roche pour voyer, ce n'est pas l'un radio pour diffamer le monde, ce n'est pas faire menace de mort. Ou aller devant des instances judiciaires, à la suite d'un débat contradictoire, le bras dit côté raison, le bras dit tort. Et comme docteur Jean-Baptiste, on dit toujours quoi dans les valeurs démocratiques, il était toujours quoi dans la justice, il était toujours quoi dans l'état de droit. Donc, docteur Jean-Baptiste, il soumet à tout exercice ça. Qui s'en rebouche avec l'organisation ça, ou qui nous va attaquer? Son bras qui sautait aux yeux, il sautait aux yeux que docteur Jean-Baptiste, il prend un coup dans l'honneur, il prend un coup dans la réputation, parce qu'il a fait objet d'une série d'accusations graves, une série d'accusations salaces, que nous pensons que c'est de gagner beaucoup plus de sérénité dans le traitement dossier, tout dégât qui est fait, pas ta fait. Par exemple, notamment, l'opre au niveau de la FIFA. Si FIFA te mettait beaucoup plus de sérénité dans la façon que tu es traité,
le dossier du docteur Jean-Bon, nous ne parlons pas aujourd'hui, hein, pas après tout scandale ça qu'il a fait. Oui, tu es capable de toujours gagner un journal qui fait des révélations, mais ou même comme instance qui supposait mener une enquête sérieuse et autre, pour te prendre le temps qu'il faut pour te mener des enquêtes sérieuses, pour te mettre en dehors de toutes les contingences pour que nous avons. Or, cela n'a pas été fait. Les gens n'ont pas été au-dessus des contingences. Après la FIFA, quelle autre organisation? Le musée. Et nous avons plusieurs. Nous avons des Guardian, nous avons FIFO, nous avons Human Rights Watch, nous avons New York Times. Nous travaillons sur eux. Mais au moment opportun, avec le cabinet aux États-Unis, nous avons pris une décision comment avancer. Nous travaillons sur plusieurs bagages. C'est-à-dire que depuis trois ans, dans divers pays à travers le monde, il y a plusieurs cabinets d'avocats qui travaillent. Mais au moment opportun, nous prenons les décisions. M. Gaston, merci un peu d'être disponible pour nous matin. Ok, moi remercie à tous et c'est un plaisir pour que me t'édifier aux auditoires là. Merci beaucoup. Remercie pour l'invitation. Merci beaucoup.